Salut à toutes et à tous, les gens, c'est Moketo. Alors attention, vous ne savez pas qui c'est, mais si, normalement, mais si. Bah si, on sait qui c'est Inès. Inès, qu'on t'a vu briller dans un sketch et tout. Je suis de retour avec les 15 questions, voilà, une cinquième série de 15 questions. Le principe est très simple, je vais te poser 15 questions, un petit peu farfelues, d'autres un peu moins. T'es chaude ? Je suis chaude. Ok, première question. Alors déjà, non, alors si c'est une question sans en être une, tu sais ce que c'est le cosplay ? Oui, ok. Alors, première question. Si tu devais être habillée en cosplay... Je connais pas jusqu'à ce point-là. Je suis sûre que ta question va être vachement détaillée. Et... Non, pas du tout. Pas du tout. Genre, si tu devais être habillée en cosplay jusqu'à la fin de ta vie, en quoi serais-tu déguisée? Genre être cosplayée, tu vois, en gros, c'est être déguisée en personnage fictif... Jeu vidéo ou pas forcément? Pas forcément. Tu peux être cosplay en Harry Potter, tu vois, déjà, des trucs comme non, ça, quoi. Un gosse. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi? Ringos. Ça veut dire quoi, Ringos? Ringard. Ah, ok. En Arwen. Dans le cinéma. Oh là là, d'accord, je vois tout à fait. Deuxième question, quel serait ton burger parfait? Avec beaucoup de bacon. Ah, ok. Burger bacon, c'est ta cam, quoi. Ouais, et poulet pané. Bah, maintenant qu'on ira au McDo, je ferai gaffe et tout si tu prends vraiment du bacon, un truc à base de bacon. Troisième question, tu préférerais coucher avec ton idole qui serait en fait un robot ultra réaliste ou avec ton véritable idole mais qui a une malformation? Une véritable idole qui a une malformation. Mais vraiment une formation horrible, quoi, tu vois. Tu vois, ça peut être tout bien, mais il a un bras rikiki. C'est pas grave, je le baise. Oh, c'est bien, c'est bien. Si tu devais emmener qu'un film ou qu'un livre sur une île déserte, lequel serait-ce? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Cinquième question. Quelle partie de mon corps devrais-je refaire selon toi? Oh non, mais c'est pas ça. Déjà, j'aime pas. Non, on s'attaque pas au physique des gens, je suis désolée. Mais pas... tu t'as. Ouais, mais c'est pour rigoler. Je sais pas, moi. Allez, une partie que j'ai pas vue. Oula. Il y en a beaucoup. Ah non, oui. Je sais, ton lobe d'oreille, parce que j'ai toujours trouvé les petits, ton petit lobe d'oreille. Là, là? Oui. D'accord, il est petit donc... C'est pas moche du tout. Non, oui, ok. Mais il faut trouver un truc, donc... Tu sais que j'ai une malformation dans... Ah merde. Non mais... c'est pas grave. Et apparemment, c'est ma soeur qui m'a dit ça, c'est que j'ai un truc comme ça là qui est pas fini en fait. Là, je sais pas laquelle oreille c'est. L'autre. C'est l'autre. Ouais, tout, y a rien dedans. Ah bon? C'est pas grave, c'est bien. Y a rien dedans, quoi. Mais en fait, t'as pas de cartilage. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, tu devrais avoir des. Ah oui, d'accord. Oui, je crois que je comprends. Ah oui, oui. Ça, t'as des plis. Oui. Et là, t'en as pas. Ok, sixième question. Tu préférerais être enrhumé 3 heures par jour ou cligner des yeux toutes les secondes? 3 heures par jour, être enrhumé 3 heures par jour. Ok, ouais. Parce que essayer, c'est vraiment ultra chiant. Tu clignes toutes les secondes. Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est insupportable. Non, il est éternué. Septième question. Si tu devais être le dieu de quelque chose, de quoi s'agirait-il? Ouais, le dieu du vin. Le dieu du vin? Ouais, c'est cool. D'accord. Prends pas la tête, tu vois. D'accord. Ouais. Tu sais que celle qui est passée avant toi a dit dieu de la déesse de la bouffe. Donc, ah, bon, ouais, vous complétez, oui, quoi. Non. La déesse de la bouffe. Ok, non, mais oui, très bien. Ou la déesse de la bière, comme tu veux. Non, mais. Ou les deux. Bah non, mal, bah non, là c'est mal. Bien, là vous, ouais, vous complétez complètement. Ouais. Quel patronus aimerais-tu avoir? Ah, moi je trouve que le cerf ou le truc, c'est trop la classe. Mais pour essayer de faire pas comme ouais, lui. Bah ouais. Bah un lion, c'est la classe aussi, un lion. Ouais, c'est vrai. Putain, j'avoue que tu défonces des mères avec ça. Neuvième question, de quoi manques-tu selon toi? Quoi? Ah, de... Bah, comme, je pense, comme beaucoup de monde, de confiance en soi. Je pensais que ça pourrait pousser à la réflexion. Mais... Ah, mais ouais, c'est bien, non, moi, c'est je... bien, c'est bien les gens. Non, moi je sais. Moi t'inquiète pas que je sais. Serais-tu prête à mettre un rat dans ton chapeau pour pouvoir mieux cuisiner? Ouais, ouais, ouais. Bah, s'il est aussi mignon que dans Ratatouille, ouais, mais... Moi ça m'étonne. Enfin, tu sais, t'as un rat réel... Ouais, les rats réels, ils sont vraiment moches. En plus, j'en ai déjà vu un une fois et j'ai couru. Je sais pas si ça pourrait faire la même chose sur la tête, je sais pas. Il faut qu'il soit super propre. Hein. Oui, bah après, oui, c'est à toi de voir. Ouais, tu peux en prendre soin et tout. Ouais. Obligé d'un rat? Ça peut pas être un chat, non. Ou... Mais putain, Ratatouille... on peut changer. Plutôt Pikachu ou bébé marsupilami? Ah non, c'est affreux. C'est dur, hein? Ah non. Ah, c'est dur, hein? Ah ouais, c'est pas facile. Ah, bébé marsupilami. C'est vrai, oh yes. Moi j'aurais dit pareil, tu vois. Parce que franchement, les marsupilami. Ouais, ils sont trop bien. Douzième question, quel était ton dessin animé préféré? Je regardais vachement Le Roi Lion. Apparemment, je le voyais en boucle, mais je regardais beaucoup Totally Spice, Marsupilami, ouais, aussi. Ouais. Les Super Girls, je sais plus comment ça s'appelle. Les Super Nana. Super Nana, voilà. Treizième question, cite-moi
un personnage fictif que tu aimerais avoir comme meilleur ami. Quoi? Qui j'aimerais bien avoir un meilleur ami? Un animal, c'est ça? Non, un personnage fictif, rien à voir. En ami. Un meilleur ami. Un meilleur ami, Yann Solo. Donc. Yes. Ça, c'est aussi beau gars, ils sont pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, voilà, elle dit pas tout, mais elle a un gros. Voilà. Mais attention, c'est meilleur ami, hein. Ça veut dire que tu le kennes pas. Hein. Oh merde! Bah oui, meilleur ami. Sex friend, on le kenne pas avec son meilleur ami. Ça enfin, dépend. Ouais, ça. Y en a qui. Voilà, ouais. Mais moi, je le ferai pas, tu vois. Bah, moi, je le ferai. Ok. Très bien. Quel est ton premier souvenir lié à moi? Mais je me souviens pas. Qui êtes-vous? Non, mais on a très très vite. Enfin, j'ai l'impression qu'on était tout de suite potes en fait quand je repense à l'année dernière. Nous, c'était pas direct. Hein. Enfin, ah je sais que c'était. Je me souviens pas du tout. Moi, je me souviens, j'ai vu. Oh, un noir. Non, je rigole. Enfin, moi, je me souviens que j'avais mis un. Il y avait eu un petit moment avant que j'aie le courage de venir vers toi. Oh, t'es trop mignon. Non, mais je te jure. C'est vrai? Oui. J'ai l'impression tant que ça? Ouais. Merde. Ah, merde. Voilà, on est sur une vidéo confession, ça y est maintenant. Je me souviens très bien, il y a un moment, c'était la pause, j'étais rentré en classe, t'étais la seule dans la classe, et je t'avais dit un truc du genre, je t'avais dit un truc tout con, du genre, ouais, il est cool le cours et tout, et puis tu m'avais souri et c'est tout, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Ah, oh, c'est beau comme souvenir. Bah, 15e et dernière question, si c'était à toi de me poser une question, laquelle serait-ce? Je sais pas. Je mets mon portable à charger, tu permets. Voilà. D'accord, bah si à 40 ans on est toujours célibataire, on se met ensemble. On vit ensemble pour pas finir seul et gros comme des gros pervers. Attends, c'est quoi? Alors pourquoi? Alors c'est quoi la question? C'est si à 40 ans on est tous les deux célibataires, est-ce qu'on se met ensemble? Bah ouais. Bah... J'ai vu ça dans How I Met Your Mother où ils font cette promesse pour. Oh, c'est mignon. Ouais, oui, c'est mignon. Dans 40 ans, regardez cette vidéo et contactez-moi pour savoir si oui ou non on se parle encore avec Inès. La réponse est positive, Inès. Donc 40 ans, je t'attendrai. Bon, enfin, si je suis. Non, tout oui, seul. Non. Sans qu'il te plaît, me fais mal. Le mec, il déraille complètement. Non, m'attends pas. J'ai rencontré une meuf énorme et tout. Non, j'ai promis à une pote. Ce sera. Eh bien, merci Inès d'avoir répondu à ces 15 questions. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, très bon moment. C'est vrai, oui. C'est vrai, très bien. Tu encourages les gens à venir et oui, tout. Oui, j'encourage les gens à venir et tout. Yes. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit jeu aussi, c'est que vous aussi, vous y répondiez un peu dans vos têtes et tout. Qu'est-ce que je dirais, mince et tout. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous auriez pu répondre en commentaire. De toute façon, on se retrouvera sûrement ultérieurement vu que tu fais partie de. Ah, ouais, tu fais partie de mon équipage maintenant. Du coup, c'est sûr. Ah bah oui. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, partagez autour de vous. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Dis au revoir, Inès. À toi, toi.